Yo les potes, c'est Nsky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble tous les nouveaux objets, skins, pioches, planeurs, etc. Dans le casier Fortnite. Mais juste avant, je vais juste vous montrer. Alors ça, c'est le sac à dos de Deadpool. Donc voilà, ils l'ont leak dans les fiches du jeu. Et aussi, la récompense de Deadpool pour cette semaine, ça va être le spray grenade. Donc voilà, on peut voir une grenade rouge avec les petits yeux de Deadpool ici. Donc voilà, on commence la vidéo tout de suite. Hop. C'est la vidéo d'Ipex, je précise, on va enlever le son. Hop, et c'est parti. Alors on commence avec le skin Poiscaille, en version John Wick un petit peu, avec ses grosses lunettes là. Donc apparemment c'est un pack dans la boutique d'objets, enfin dans la boutique normale, donc payant, à 10 ou 15 euros. Donc ok. Le petit sac à dos, comme vous pouvez le voir, qui est très très drôle, c'est un bébé Poiscaille un peu vénère. Il a un deuxième style. Avec ses gros yeux, voilà, sans les lunettes en gros. Il bouge parce que le petit bébé il bouge, c'est trop marrant. Donc le sac à dos, hop, il enlève. Ensuite, le nouveau skin, donc le premier skin de l'ensemble, Slurp. Il y a peut-être le gros bonhomme aussi, mais ils l'ont pas mis encore dans l'ensemble. Donc voilà, honnêtement, je le trouve plus stylé que la fille. Ouais, il est vraiment stylé celui-là. Oh lolo. Donc 1200 V-Bucks ou 1500, on sait pas encore. Ok, la fille. Ouais, elle est quand même belle. Bah, les deux, ils sont stylés. S'ils sont à 800 ou 1200, je pense que je les prendrais peut-être. 1500, non, c'est un peu cher. Donc voilà. Très très stylé en vrai. Hop, il peut changer, j'espère. Voilà. Hop, nouveau skin, 1200 V-Bucks. Donc c'est des sœurs jumelles. Vous allez les voir après, il y en aura une autre. Donc voilà. Bon, j'ai rien à dire. Très stylé comme ça. En blanc et noir. Et du coup, ça, version jumelle, un petit peu. Comme ceci. Donc inversé en gros. Toutes les couleurs sont inversées. Le masque, il est blanc au lieu d'être noir. Les cheveux, pareil. Noir au lieu d'être blanc. Et la tenue. Donc voilà. Ensuite, le skin de Anarchy Acres. Donc c'est un fermier, c'est celui qu'on a vu sur l'écran de chargement je pense, qui a tout fait brûler. Vous pouvez voir ses jambes, c'est carrément des jambes en robot. Donc en gros il a perdu ses jambes. Et il a des petits pneus tranquilles, des petits pneus sur les épaules tranquilles. Très stylé. Ensuite le skin Zina, au prix de 1200 V-Bucks. Elle est pas mal en vrai. Pas mal mais je jouerai pas. Ok. Ouais non, je la jouerai pas. Il va montrer l'autre style. Hop, j'avance, voilà. Là en mode super-héros on dirait. C'est pas ouf non plus. Mais c'est pas mal quand même. Alors ensuite, les sacs à dos. Hop, alors le sac à dos de Deadpool, comme je vous ai montré, je pensais qu'elle allait pas le montrer, mais voilà, il est là. En vrai, il est trop moche, personnellement. Le petit cœur, donc ça c'est le skin, ce sac à dos qui va avec l'ensemble Slurp, mais la fille. Celui-là, c'est pour le garçon. Voilà. Celui du skin Poiscaille. Ensuite, ça c'est pour le fermier. Un gros moteur comme ça pour Anarchy. Ensuite, là c'est un sac mystère. Donc il est invisible parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Là il le remonte, il n'y a rien. L'ananas avec des billets qui va avec le skin Zina. Et ça qui va pour les jumelles, donc les deux couleurs. Donc voilà. Pardon. Ah, je suis un peu malade. J'ai pas le virus, vous inquiétez pas. Juste un morceau coincé dans la bouche, un morceau de céréales. Du coup, la pioche pour l'ensemble Slurp. En vrai, elle est magnifique. L'ensemble Slurp viendra peut-être dans la boutique d'ailleurs. Ça, c'est les pioches pour le skin Poiscaille. Deux poissons. La pioche du monsieur d'Anarchie. Ça, c'est pour les jumelles. Donc voilà, deux customs, l'autre c'est tout blanc. Donc voilà. Ok, j'aime pas trop les pioches doubles moi, donc pas mon style. Et celle de l'ananas. Donc voilà, c'est une batte. Pardon. Ouais, je suis vraiment pas très bien là. Donc le planeur, voilà. En blanc et en noir, violet et bleu, comme ça, très beau. Les traînées, il y a la slurp, qu'on avait déjà leak il y a longtemps. Ça, c'est le planeur. Dynamic Fire, donc ça change de couleur, c'est assez stylé. Il est stylé, il est stylé.
Il monte sur toutes les armes, mais on s'en fiche un peu. Ensuite, on a le deuxième revêtement. Ouais, des runes, ok. Je passe. Ensuite, comme ça, en mode rêve un petit peu. Ensuite, on a quoi? Le rouillé, qui est pas très très beau. Là, il a montré l'autre parce qu'il trouve que c'est presque les mêmes. Et dernier, celle de sœur jumelle. Hop, il me semble que c'est tout. Maintenant, on a la danse. Attendez, hop, je mets le son. Je vais mettre au max. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire une vidéo après sur tous les autres leaks au niveau des. Au niveau de quoi? Je sais même plus. Ouais, au niveau de les nouveautés qu'il y a dans le. Dans le jeu, pardon. Les nouvelles armes, les nouveaux lieux, les trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le code créateur comme il y a marqué en. Le code créateur NSQ dans la boutique, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao!